Volante. Entendu. Et où est-ce que vous séjournez? Bah, nous sommes au Sleep Inn sur la Nationale 4. Très bien, alors je vous contacterai dès que j'aurai du nouveau. Et je vous remercie d'être passé me voir. Très bien, est-ce que je peux rajouter encore une dernière chose? Alors voilà, je ne suis pas ce qu'on peut appeler un cinglé. Je suis un ancien lieutenant de police. J'ai travaillé dans la police de San Francisco. Si vous voulez, vous pouvez les appeler. Ce ne serait pas nécessaire. Je veux bien croire que vous ayez vu ce que vous dites avoir vu. Je vais vous montrer quelque chose, monsieur. Vous voyez, ce sont des taussiers en attente. J'ai un raton laveur enragé qui traîne dans la nature, des adolescents qui ont détruit plusieurs boîtes aux lettres, et maintenant j'ai Dolly qui pense que sa voisine a disparu. C'est une semaine chargée pour moi, pour être honnête avec vous. J'espère que vous avez raison. Une bonne petite invasion de martiens apporterait un changement pas désagréable dans la région. Près d'ici, Inn, Nathalie marche avec Monk qui porte un sac. Regardez là-bas, qu'est-ce que c'est? Monsieur Monk, ce n'est qu'une luciole. Ah oui? Oui. Quand je suis allée à la bibliothèque, j'ai fait quelques recherches sur les ovnis. Vous savez les ovnis? Les ovnis. Ils disent qu'il s'agit souvent de casse de maritage. Oui, vous avez peut-être raison, surtout on est à 500 km du premier maritage. Vous savez, je pense que c'est la fatigue qui fait voir des choses. Oui, c'est ce que je pense aussi. Monsieur Monk, Madame Tigger, j'ai reçu votre message au sujet de votre prolongation. Oui, vous êtes d'accord? Bien sûr, pas de problème, restez autant que vous voudrez. C'est sympa d'avoir de la compagnie, je dois reconnaître qu'en ce moment, c'est calme. Est-ce qu'il y a un problème avec votre chambre? Je vois que vous avez acheté des...
Thank you.
coup-ci, hein? D'accord, je vous laisse, il est tout à vous. Elle tourne la tête vers une loge. Oh non, John Hannigan est là. Qui? John Hannigan, le critique qui travaille pour le San Francisco Dispatch. Qu'est-ce qu'il fait là? Il n'assiste jamais à ce genre de représentation. Je sais pas. Peut-être qu'il a lu l'article de Julie dans le journal de l'école. Peut-être. Vous croyez? Non. J'espère qu'il est de bonne humeur, il critique à peu près tout. Cet homme est infernal. Enfin, c'est son job, voyons. C'est un critique. Un homme et une femme s'assoient à droite de lui. Vous savez celui-là, arrêtez. Bon, tente de récupérer son accoudoir, mais la femme repousse son coude. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est votre père? Ça vous dérangerait de changer de place tous les deux? Pourquoi? Je voudrais le remercier pour tout ce qu'il a fait. Tu veux bien changer de place? C'est un admirateur. Appli. La femme et son père changent de place. L'homme porte une veste ornée de décorations militaires et sa manche blanche est vide. Monk s'appuie sur la couloir libre. Merci pour ce que vous avez fait. Oh, oui. Tout ce qu'il vous faut, c'est qu'un homme sans tête s'assoie devant vous. Alors, répondre. Comment il s'appelle? Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Faut qu'on rentre. Venez. Quoi? Ouais, disons que j'ai un besoin naturel. Oh. Ah, elle me... Ah, monsieur. Alerte naturelle. Vous avez besoin d'aller aux toilettes? Chut, je ne bougerai pas d'ici, ça fait presque un an que j'attends ça. Bon, venez, on peut être là dans 20 minutes. Non, 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 pas question, vous rigolez, Julie, n'est que dans deux scènes. Allez donc dans les toilettes pour hommes comme tout le monde. Ah, quelquefois, vous devriez nous entendre parler. Pour hommes, c'est un public et je ne fais jamais ce genre de toilettes. Ben, je suis désolée de rentrer ici parce que moi, je vais rester là. No.
posé? Ah oui, oui, très, très posé. Oui, une fois posé. Tenez, le voilà. Il a l'air très heureux. Ah, mais il a très certainement fait un petit détour par les toilettes. Elle s'approche de John Halligan. Vous savez ce que j'ai adoré? C'est cette jeune fille qui a chanté Away. Comment s'appelle-t-elle déjà? Julie, une jeune fille. C'est qu'elle porte le même nom de famille que vous. Vous parlez d'une coïncidence, mais je crois que ça a marché. Monk suit John Halligan du regard en s'avançant de quelques pas. Tiens, c'est bizarre. Quoi? Il vient de jeter un paquet de cigarettes tout neuf et un briquet. Bah, peut-être qu'il essaie d'arrêter. Excusez-moi, est-ce que vous cherchez mademoiselle Julie Tigger? Oui, en effet, madame. Vous l'avez vu, nous voulions lui dire qu'elle était belle et qu'elle a un talent. Génial, je dirais que tu as été brillant. Oui, chérie, c'est la vérité. Cette chanson est très émouvante. On a pleuré tous les deux. Alors, vraiment, oui, et là, c'est nous. C'est grande chose.
So I've identified a couple of things that I really find good on the Davis Vertical feed. The first one is sewing around these difficult curves, like when you set in the sleeve. That's really good. And then there's something else that I found to be particularly good. If you're sewing narrow seams, now in this case, I wasn't happy with my shirt, so I took it apart to fix the sleeve plackets and cuffs and stuff. But because I've overlocked it, it's left a very narrow seam. So what I found is this machine is extremely good in handling the very narrow seams and allowing it to keep perfectly online. So I thought I would show you a bit of that once I get sort of organized here. Again, as usual, I'm sitting off kilter to the machine, which makes doing all of this slightly more awkward, but that's okay. It's getting easier to manage sewing off center. Would have made my life a little easier if I had decided to press these things flat. But there's no real need. So I can just sew in the previous final stitch. You'll notice it lines up exactly perfectly at the end, which is kind of what you want. Creep. The end of the stitching here. So this is about a quarter inch seam here. That's all that's remaining. Okay.